parler avec Kunjama Djoulbe. Eh, vraiment, comme elle est, Koukouet, me woni. Koukouet, problème, Koukouet, no, ou, dit trop. Il me dit, je ne parle pas comme de Djoulbe, il dit donc, Koukouet, non. Donc, il y a la gueule le pouce, il y a la gueule le pouce, pouce, il n'y a pas de mal. Parce que quand on a la ça. Quand on a mis la non, on a no la non, on a mis la tête. Et si on a mis la tête, on a mis la tête, on a mis la tête. Ko arabu yembe ben ko kamma be himen soki do 9 mois himen do himen yangade mon sonjade e so pas nyamete ala pus ala ben jodi do si men no dibe be yetta apela men si men yetti ape ben wona na fiya men nakam be addimen bien sir nakam be addimen do kono ko sabu gine yembe ben ko dun jodi ne be kuweti men jeji om fisabilillah alfa konde be ka lami la gine mi jeji om men jeedi on gouvernement la Guinée walliteme men mayido men mayi feo son jawari me wallahi walliteme walliteme yo julbe Allah men lanni mayude do ku alfa konde o ko jokkida do ittuda mo la Guinée adduda mo do mamadi tarawore mi andati ko tarawore parce que eddo na di lenol mabbe billahi be hulata Allah be hulata annabi jomi anda ko mi anda se be ko kafiriste ko honno nani be na muslim be imbe fira auna mi jodi do men sonjade men lettade bimbe kikide dare ko men wala to do sonjana ni me warde walle be le onadi ne yo jama julbe walle me fabe me me mayi kuweti julbe julbe Allah walle me me sonjike wana bagura avec l'ambassadeur, mais j'ai mes collègues qui ont échangé avec l'ambassadeur, M. Mamadi Traoré. Et M. Mamadi Traoré a vu les différentes vidéos qu'on a fait sur lui, sur les réseaux sociaux. M. Mamadi Traoré s'est déplacé hier, aller crier sur nos sœurs qui sont là-bas, comme quoi ces femmes-là nous ont donné les informations et son nom s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Donc je vais répondre à M. l'ambassadeur Mamadi Traoré, l'ambassadeur de la Guinée au Koweït. Je vais m'adresser au peuple conscient. Quelle sera la suite de l'événement? Monsieur l'ambassadeur, je pense que vous avez oublié d'abord c'est quoi votre responsabilité, c'est quoi votre devoir d'ambassadeur à Koweït. Je vais d'abord vous rappeler. Et si je fais des erreurs ou si ce n'est pas le vrai sens, les abonnés vont me rectifier. Un ambassadeur dans un pays représente le pays au complet. Un ambassadeur représente le président, un ambassadeur représente le peuple. Monsieur Mamadi Traoré, votre rôle d'ambassadeur au Koweït, c'est de veiller sur les Guinéens et Guinéennes. C'est d'être là pour les Guinéens et Guinéennes. C'est de régler les problèmes des Guinéens et Guinéennes et de protéger les Guinéens et Guinéennes, M. Mamadi Traoré. Selon les lois, selon les règlements, selon la constitution guinéenne. Aujourd'hui, on ne s'attaque pas aux personnes parce qu'on veut s'attaquer à ces personnes. On est là pour dénoncer les mauvaises personnes, les personnes qui conduisent notre pays dans l'erreur, les personnes qui se servent du pauvre peuple.
cela doit cesser. Monsieur Mamadi Traoré, hier vous avez été là-bas, dire aux sœurs qui sont incarcérées là-bas, privées de leur liberté, emprisonnées, maltraitées, qui ne sont même pas considérées, traitées comme des animaux. Monsieur Mamadi Diawara, je vais vous poser des questions. Est-ce que vous accepterez que votre famille subit la même chose? Si votre réponse est oui, je n'allais pas me battre. Je sais que la réponse serait non. Et les personnes qui vous font croire que, monsieur Mamadi, que l'État n'est pas responsable d'un citoyen, c'est des personnes qui sont dans l'ignorance totale. Un État égale le gardien, est l'ange gardien du peuple. Un État est le responsable du peuple. Peu importe un individu, peu importe l'emplacement du citoyen, l'État en est responsable sur l'étendue du territoire et hors du territoire. C'est ce qu'on appelle un État. Mais malheureusement, il y a même des personnes dans l'État même qui ne connaissent même pas la signification, qui ne connaissent pas leurs responsabilités, leurs rôles. Je vais dire ce que l'ambassadeur a dit à nos sœurs. Il vient crier sur ces personnes en leur disant « Vous ne devriez pas véhiculer ce qui se passe ici sur les réseaux sociaux. » Mais justement, monsieur l'ambassadeur, on se bat aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que ça fait des années et des années les Guinéens vivent dans l'ignorance, dans l'injustice, dans le mensonge. Monsieur l'ambassadeur, ça c'est un dernier appel, un avertissement de Madik Sans Frontières. Vous pouvez me considérer comme un de vos fils, je vais l'accepter. Vous avez le même âge à peu près que mon père, mais tolérance zéro. Un avertissement, monsieur l'ambassadeur. Je prends le public en témoin. L'ambassadeur, il me suit, il m'écoute, il va regarder ça très bien dans son confort. Monsieur l'ambassadeur, c'est ma dernière vidéo d'avertissement sur vous. La prochaine vidéo, monsieur l'ambassadeur, on a maintenant des documents rouges, monsieur l'ambassadeur. Monsieur Mamadi Traoré, moi, Mamadi Kondé, non à l'état civil, non d'activiste Madik Sans Frontières, je vais divulguer vos vies privées sur les réseaux sociaux, vos secrets confidentiels, les plus confidentiels de toute votre existence. La prochaine vidéo, je vais mettre sur les réseaux sociaux vos messages entre d'autres personnes. Aujourd'hui, je ne vais pas mentionner les noms dans les vidéos, mais la prochaine vidéo, M. Mamadi Traoré, croyez-moi, vous allez regretter toute votre vie. Ça, c'est un. Et quand je fais la vidéo hier, M. Mamadi Traoré, si vous pensez être là pour les Guinéens, si vous pensez être intelligent plus que tous les Guinéens, vous vous trompez. Et quelqu'un proche de vous, qui vous connaisse, nous a véhiculé les documents confidentiels. Tout ce que vous avez manigancé là-bas, tout ce que vous avez fait, et ça peut même toucher à votre famille, monsieur l'ambassadeur. Je ne veux pas qu'on en arrive jusqu'à ce point. Et vos documents, ma prochaine vidéo, c'est de véhiculer, montrer vos documents, tout ce que vous avez fait, vos messages, vos textos, vos rendez-vous dans différentes places au Koweït et dans d'autres pays. Et je ne vais pas embarquer dedans tout de suite parce que je vais vous dire ce que vous devriez faire. Votre rôle d'ambassadeur, à la place d'aller crier sur nos confrères, concerts et autres en prison, allez-y leur donner leur billet d'avion et allez-y leur donner leur laissez-passer. Direction Guinée-Conakry, on vous impose, monsieur l'ambassadeur, on ne vous demande pas.
Sinon, ça va vous coûter très cher, monsieur l'ambassadeur. Ça, c'est la voix de Madik Sans Frontières. Et quand je vais mettre vos documents confidentiels, vos secrets sur les réseaux sociaux, je ne vais jamais retirer. Et je vous donne ma parole. Les pages les plus suivies sur les réseaux sociaux, ils vont publier vos vidéos, vos rendez-vous, vos textos, vos messages vocaux. Maintenant, on appelle ça, on est rendu à une autre étape supérieure. Tolérance zéro. On va exposer votre vie privée. On va exposer tout ce que vous mettez en dessous, tout ce que vous cachez au peuple guinéen. On va l'exposer, monsieur Mamadi Traoré. Prenez cette vidéo-là en considération. On n'a pas de temps à perdre pour les fonctionnaires comme vous. On n'a pas de temps à perdre pour les individus comme vous. On n'a pas de respect pour les personnes qui ne nous respectent pas. Ça, c'est la voix de Madik Sans Frontières. Tolérance zéro. Et en aucun cas, je vais regretter mes actes, mes paroles. Je tiens le peuple guinéen. Je vous prends en témoin. On est prêt à divulguer les secrets aujourd'hui. On est prêt. Et ma prochaine vidéo, je vais exposer tout ça. Vous allez lire tous les essences des messages de l'ambassadeur et autres personnes. Vous allez voir ces conversations vocaux et vous allez voir ses rendez-vous et les tickets, les dépenses, tout ce qu'il a fait dans sa vie. On va mettre ça sur les réseaux sociaux. Et c'est de dire à monsieur l'ambassadeur, monsieur Mamadi Traoré, gare à vous qu'il arrive quelque chose à nos concerts. C'est que gare à vous qu'on les maltraite, gare à vous qu'on les frappe, gare à vous, monsieur l'ambassadeur, vous allez regretter, croyez-moi, vous allez regretter. Et maintenant, les documents qu'on a maintenant, on est prêt à divulguer sur les réseaux sociaux, vos vies privées, vos rendez-vous avec des filles, tout ce que vous faites, vos cadeaux, vos réalisations, on va tout mettre sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est maintenant l'étape supérieure. C'est ça les prochains combats maintenant. On a parlé au peuple. On a pris nos temps. L'énergie. Le courage. Pour vous alerter. D'arrêter de faire ce que vous faites qui n'est pas bon pour le pays et qui n'est pas bon pour le peuple. Si aujourd'hui vous voyez que vos enfants vous conscientisent. Nous sommes même l'arrière-enfant de certaines personnes. Vous êtes tellement tous des vieux. Aujourd'hui, le président, moi je le considère comme mon grand-père, même pas mon père, parce qu'il paye, il a l'âge de mon grand-père. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, si ces arrière-enfants s'élèvent aujourd'hui pour les conscientiser, ça c'est grave dans un pays. C'est pour cela quand je dis aujourd'hui, certains Guinéens qui parlent de diplômes d'instruction, mais je vous ai dit, on a des personnes qui sont instruites mais qui n'ont pas le savoir. Ils n'ont pas le savoir. Ils n'ont pas le vrai sens de la vie. Le bon Dieu donne ses plus durs combats, ses plus forts soldats. Il y a certaines personnes qui se retrouvent à une place qu'ils ne méritent pas. Il y a certaines personnes aujourd'hui dans notre administration en Guinée, ils ne savent même pas c'est quoi leur fonction. Ils ne savent pas c'est quoi leur rôle et leur responsabilité. C'est des personnes qui ignorent catégoriquement les lois et règlements, la constitution guinéenne. Mes chers compatriotes, d'après un proverbe chez les Malinkés, en dansant avec un aveugle, il faut lui toucher pour lui faire savoir qu'il n'est pas le seul qui danse. Et aujourd'hui, ce que nos sœurs vivent en prison, elles sont là-bas désespérées. Elles ne mangent pas. Un pays où la Guinée a implanté l'ambassade de la Guinée, une ambassade qui est nourrie par le peuple, par les contribuables, l'argent des contribuables, par le peuple guinéen, et avec son gros ventre là-bas, qui mange notre argent, qui n'arrive pas à aider les personnes qui lui font vivre. Monsieur l'ambassadeur, si Madik vous frappe, jusque dans votre tombe, vous n'allez pas oublier. On appelle ça frappe de Madik. Et vos dossiers confidentiels, je vais balancer sur les réseaux sociaux. Et une fois que je mets sur les réseaux sociaux, je dis à mes confrères, il n'y a pas de pardon.
n'y a pas de tolérance. Et c'est dire aux abonnés aussi, les personnes qui nous suivent, quand on frappe quelqu'un jusqu'à ce niveau, il mérite. On veut que les personnes qui nous suivent nous comprennent. Parce que il y a certains Guinéens aujourd'hui, il faut aller à l'état supérieur pour qu'ils comprennent. Hier, il est rentré en contact avec nos confrères. L'ambassadeur Mamadi Traoré. Moi, je ne voulais rien savoir de lui. Je ne voulais rien savoir et je ne vais rien savoir. Je ne vais même pas l'écouter. Est-ce que vous comprenez? Donc, monsieur l'ambassadeur, vous regardez cette vidéo. Vous me suivez très bien. Vous savez qui je suis. Et monsieur l'ambassadeur, je n'hésiterai pas de mettre votre vie privée sur les réseaux sociaux qui va vous suivre jusqu'à votre tombe. Ça, c'est la voix de Madik sans frontières. C'était une courte vidéo pour vous donner la suite. On ne recule pas, monsieur l'ambassadeur. On n'arrête pas, monsieur l'ambassadeur. Et si tu ne nous respectes pas, si tu ne respectes pas nos sœurs qui sont en prison, si tu ne respectes pas le peuple guinéen, en aucun cas nous allons vous respecter. Il n'y a aucune loi, que ce soit dans la religion ou dans la nature, il n'y a aucune loi qui dit qu'un être humain est un autre, et une autre personne est supérieure que l'autre. Peu importe vos titres, vos classes sociales, nous sommes tous des êtres humains. Et ça, c'est la voie du bon Dieu. Le respect est mutuel. On ne peut respecter les personnes qui ne nous respectent pas. On ne peut respecter les personnes qui ne respectent pas le peuple. Ça, c'est la voie du peuple. Nous sommes là pour les sans-voix. Chers confrères, chers abonnés, la génération consciente, c'est la suite de la vidéo que j'ai faite hier. Et on a été encore recontacté par nos sœurs qui sont emprisonnées et aujourd'hui qui ont été menacées par l'ambassadeur de la Guinée au Koweït qui dit à nos sœurs de se débrouiller et de chercher leurs billets d'avion pour la Guinée. Monsieur l'ambassadeur, c'est toi qui vas donner les billets d'avion. Sinon, ça va coûter toute ta vie, toute ta carrière. On va balancer sur les réseaux sociaux. Il n'y aura pas de SOS sur les réseaux sociaux. Gare à celui qui va faire SOS sur les réseaux sociaux. C'est le rôle de l'ambassadeur. On vous nourrit. On vous paye pour ça. Tu préfères aller donner l'argent à tes copines, détourner les fonds publics, construire, acheter des maisons partout. Je vais rentrer dans ta vie, monsieur l'ambassadeur. Gare à vous. On vous oblige à payer le transport de ces personnes-là. Les Guinéens en prison, les amener en Guinée. Et dans toutes les bonnes conditions, gare à vous qu'on reçoit d'autres vidéos, d'autres appels de ces personnes-là, qu'on les a touchés à leur chevet. Et ce jour-là, monsieur l'ambassadeur, Madik va envoyer un élément qui va aller vous réveiller au Koweït. Ça, c'est la voix de Madik sans frontières. Il n'y a pas plus fort que le bon Dieu, monsieur l'ambassadeur. Il n'y a pas plus fort que le bon Dieu. Et on va balancer ta vie sur les réseaux sociaux et on va t'envoyer un message, monsieur l'ambassadeur Mamadi Traoré, pour te dire qu'il n'y a pas plus fort que le bon Dieu. Le pied à terre, le serpent à terre, ils vont se croiser quelque part. Que Dieu bénisse la Guinée. Qu'il donne la force à toute personne aujourd'hui qui a une bonne intention pour la Guinée, de loin ou de près. Qu'il donne la force à toute personne qui veut aider la Guinée, selon ses forces, selon ses réalités, selon sa classe sociale. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la Guinée, qu'il protège la Guinée. Ça, c'est la voix de Madik sans frontières. Tolérance zéro. La nouvelle génération, n'ayez pas peur. Nous allons tous mourir un jour, tôt ou tard. Et la mort et la peur ne nous empêchent pas de mourir. Elles nous empêchent de vivre. Vive la nouvelle génération, vive la génération consciente. Vive l'Afrique, vive les Africains conscients. Et ceux qui ont commencé à faire une prise de conscience, nous sommes de cœur avec vous. Et restez avec nous toujours et partagez à chaque de nos vidéos au maximum possible. Parce que vous aussi, vous êtes des vrais combattants, des vrais patriotes. C'est pour cela, je vais répéter. Moi, je n'ai pas d'abonnés, je n'ai pas de fans, j'ai la famille. J'ai la famille. Et les habitants de mon empire, les habitants, je suis de cœur avec vous.
Et à chaque événement, chaque vidéo, chaque situation, je vais vous tenir au courant. Parce que c'est ça mon rôle. C'est ma responsabilité. C'est un devoir de défendre sa patrie. Vive la Guinée. Vive la réconciliation. Vive la paix. Vive la liberté. Vive la démocratie. Vive l'unité nationale. Vive l'union dans la vérité. Je suis de cœur avec vous. Énergie à 100% naturelle. Que Dieu bénisse la Guinée. Je suis de cœur avec vous. Ça, c'est la voix de l'empereur Madik. Je vous remercie.